Hey cucu mes petits culs, comment allez-vous? J'espère que vous allez très très bien. Moi, ça va. Et on retrouve aujourd'hui, pour commencer cet épisode du Decade Challenge, Marguerite qui s'amuse à faire de la balançoire. Normal. Nous sommes donc samedi 3, presque 4 heures du matin, jour 14 sur 14. Demain, c'est l'hiver qui arrive. Quel bonheur. Et nous allons avoir du froid et de la pluie. Super. Petite update au niveau de l'arbre généalogique. Notre petit Jojo, Joseph est papa de Caroline et Isabelle. Donc Isabelle, on savait, hein, on connaissait. Et Caroline qui est donc avec la fille qu'il a avec Monique. Et je les ai fait en fait emménager, lui et Manon, dans le même foyer. Et puis ils ont embarqué, pas Isabelle, mais Caroline. Caroline, voilà. Donc, il a deux filles pour l'instant, le petit Joseph. Donc, peut-être qu'il aura un petit garçon avec Manon. En tout cas, je lui espère un petit garçon qui lui ressemble. Ça, ce serait bien. Ouh là là. Pour Florent, ça devient compliqué. Pourquoi? Tu peux pas accéder à la baignoire? T'es sérieux? Tu peux pas. Ah, bon, écoute, tu vas aller dans ta baignoire là, alors. Si vous avez à bloquer, vous toutes les deux, faites votre truc, toi, va aux toilettes, je sais pas, Chantal. Chantal, tu peux te laver si tu veux. Vas-y, va prendre une douche. Florian va, donc pour Florent, hein, je vous rappelle que normalement, il devrait très très bientôt nous quitter. Donc, le majordome, il sait rien faire là. Daichi commence à se rouiller là, il sait plus, regardez, il fait rien, et on lui demande de faire quelque chose, mais il le fait pas quand même. C'est magnifique. Mais pourquoi elle pleure celle-ci? Perd une amie. Ah bon? Oh, c'est qui est mort? Moi, j'ai pas fait attention. Non, moi, je sais pas. Quelqu'un est mort, mais je ne sais pas qui. Donc, Gisèle est tristoune. Ah, je pense que c'est Oliver, le cousin, qui est décédé. Parce que là, il l'était pas la dernière fois. Alors que tout ça, c'était mort. Donc, ouais, je pense que c'est Oliver qui a clamsé. Commence à avoir du bon. Des bons, une bonne relation de mort chez toi, Gigi, ça craint. Oh! Ça y est, ça arrive. Oh non. Oh non. Florent, notre si beau mari qui a rendu notre Gigi si heureuse. Voilà. Bon, ça a pas l'air de traumatiser. Sur une musique, ma foi, pas du tout d'époque. Non, mais au moins on va éteindre pour le respect, quoi. Mais regardez là, elle, là. Elle est à côté de son père. Ah, ça y est, elle se rend compte. Ouais, voilà. Oh mon Dieu, mais c'est Gigi qui va pas s'en remettre, là. Père un ami. Mais t'as perdu ton homme! Viens là! Allez, pour une fois, je l'ai fait assister, parce que bon... Oh là là! Aïe, 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 aïe. Bon, la mort est là. La mort est là! C'est la tristesse! Gigi! Ton mari. Alors Gigi, elle a des petites lunettes. Parce que ça y est, c'est la fin. Elle est vieille, donc elle a des petites lunettes pour lire. Et pour voir clair, mais ça lui va bien. Ouais. Et hop là! Et alors moi qui voulais lancer une grossesse, je pense que ça va être compliqué. Mais bien merci Florent, tu nous auras fait des très beaux enfants et rendu... Gigi, heureuse. Ne vous inquiétez pas, la tombe ira rejoindre ici. Je vais peut-être réorganiser, je sais pas. Oui, non, mais moi je peux déplacer les tombes, c'est pas un souci. Hein, c'est pas un problème de RP. Voilà. Oh mince, j'ai même pas eu le temps de lui faire faire une dernière toile. Ça va, Gigi? Faire le deuil de Pierre. Non, mais arrêtez. Toi aussi, tu vas aller. Non, toi tu vas juste aller pleurer, c'est toi. Non, ok. Non, c'est toi. Ah, je sais plus qui. Donc arrêtez d'aller pleurer, c'est bon. Non mais voilà, hein, il suffit qu'il soit plus là, Joseph, pour que tout le monde aille pleurer sur les tombes. Hein. Mais oui, on sait que vous êtes. Non mais arrêtez, c'est bon. Ça suffit. Alors, je vais emmener du coup tout le monde. On va aller se balader. Oh, c'est pas grave. Je vais faire en sorte que voilà. Samuel Murphy. Oh, dis donc. Oui, c'est son ex. D'ailleurs, il faudra penser à rompre avec lui. Tu vas aller avec Chantal. Et on va aller se balader en ville. En ville. Nous voilà à
Strangerville et on va dire bonjour. Oh, mais regardez-moi cette jeune. Elle est très très belle celle-là. Alors, voilà, je vous explique parce que je me suis décidée pour faire des bébés là pour ma petite Hélène qu'on allait commencer par le métis. Mais en fait, je me suis rendu compte surtout qu'il y avait un frère beaucoup plus joli. Donc, je préférais qu'elle fasse connaissance avec le frère. Qui n'est pas lui, lui, il est le père. Alors, ah, il est là, le frère. Il est là, le frère. Et il est jeune adulte. Donc, en fait, je peux carrément commencer à les caser tous les deux. Et toi, ma belle, elle est où la fille? Parce qu'elle était très jolie. Et je me dis, pourquoi pas? Bah, elle est partie, la fille. Pourquoi pas te mettre avec la fille plus tard? Ah, elle est là. Et elle est là, donc tu vas pouvoir te présenter et discuter avec elle. Elle pourrait être très 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 mignonne. Il est quand même archi bien gaulé l'animal quand même, hein. C'est limite à se demander si finalement... je sais pas. Faudrait que je vois le frérot s'il est, il est beau gosse ou pas. S'il est beau gosse quand il est tout nu. De toute façon, on va vite savoir beaucoup de choses Comme sur c'est lui. beau. Alors, il est juste... Pogomo Eva. D'accord, tu commences déjà à faire des câlins? Ah là, non, tu te disputes pas. Oh là là, qu'est-ce que je fais? Tu vas discuter des centres d'intérêt. Regardez-moi ça. Elles seraient mignonnes toutes les deux. Tu vas demander conseil. Tu vas faire connaissance. Oh, t'as l'air de la saouler. Ok, d'accord. Tu te fais carrément engueuler. Elle a l'air bizarre, cette fille, en fait, un peu. Ok. Tu vas lui complimenter la tenue. Tu vas l'enlacer, hein? On va se faire des bonnes petites amitiés. Oh! T'es très joueuse, toi, maintenant. Mais pourquoi lui fait ses pompes à tes pieds? Pourquoi vous partez pas de la chambre à un moment donné? Nous, on aimerait bien faire des choses un peu plus sympathiques avec ce jeune homme, voyez. En tout cas, elle est pas très triste d'avoir perdu son père il y a 5 minutes, hein, Hélène. T'as un petit problème dans ta tête. Est-ce que tu tiens ça de ta grand-mère, peut-être, je pense. Alors? Là, elle le drague. Oh, mais c'est que ça a l'air d'avoir fonctionné quand même, non? Oh là là, la coquine, Hélène! Ça fonctionne! C'est génial! Tu vas draguer. Mais barrez-vous de là! En même temps, la maison, elle est gigantesque. Ah, d'accord, c'est le seul lit de pièces. Mais pourquoi il n'y a rien dans le reste de la maison? Les Sims, hein, vous nous avez habitués à mieux. Il n'y a qu'un seul lit de dispo. Ils sont tous là à un moment donné. C'est pas possible. Il n'y a même pas de placard. Oh! Va falloir que tu les vires. Non, 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 non. Tu vas imiter une célébrité. Tu vas l'enlacer. Non, mais voilà, il est hyper réceptif, le petit, là. Tu vas lui embrasser les mains. Allez. Bon, on fera abstraction des millions de bijoux qu'il a. Hein. Il veut se la jouer Ice-T, là, je sais plus. Ouais, mais parce qu'il discute qu'avec eux. Ah ouais, non, mais ça suffit. Tu sais quoi, tu vas venir. Ah mince, elle travaille dans 1 heure. Tu vas t'asseoir et discuter ici, ce sera déjà bien. Ça fonctionne? Ça fonctionne, oui, c'est parfait! Eh bien, c'est parfait, parfait, de chez parfait. Super Geneviève, on est très contents pour toi. Pourquoi ça me... mais on s'en fout, le gosse! On s'en tape du gamin. Tu vas l'embrasser. Eh ben, barre-toi! Nous, on fait les trucs de grands! Ok, c'est bon! Bébé Raphaël, c'est parti! Non mais, casse-toi! Casse-toi, Doran! Punaise, c'est pas possible, ils vont pas pouvoir. Ah, j'en ai marre des Sims! Pourquoi? Barrez-vous de la maison! Barrez-vous de cette chambre! Mais c'est sérieux? On va pas pouvoir faire de trucs? Mais barrez-vous de là! Mais à cause de cette télé, là, la mormoile pif! Non mais, ça va me rendre dingue, là, j'en ai... Bah ouais, on va embrasser, j'en ai ras le huc, là. Ils viennent tous dans la chambre, mais c'est un enfer. Mais pourquoi on peut pas faire ça dans une baignoire ou dans la piscine? Il n'y a pas de jacuzzi, il n'y a rien dans cette maison, c'est vide, mais c'est... Ah, oh, c'est intolérable, les Sims, c'est intolérable. Mais je peux pas faire crac-crac, ils viennent tous là, j'en ai marre. Regardez, ils sont tous dans la chambre. Barrez-vous, bon sang! Oh. Voilà, hein? Quand on ne peut pas faire ce qu'on veut dans une maison, on va...
Mais bon sang, mais j'en ai marre. Ah, j'en peux plus, moi, des Sims, j'en peux plus. Ah là là, mais demande conseil, et puis oh, une fatigue. S'asseoir et discuter ici. Allez. Non, parce que là, la famille envahissante du gars, insupportable, quoi. Vraiment. Ça y est, elle est de nouveau enjôleuse. Il suffit juste qu'elle soit dans un lit avec un garçon, enfin sur un lit avec un garçon. On croise les doigts que ça fonctionne parce que là, il faut lancer quelque chose. Vraiment, les humeurs vont de ci, de là avec Hélène. Hein. Bien sûr, pendant ce temps-là, elle bosse pas. Elle est en train de rater sa journée de travail juste parce que j'ai voulu lancer une grossesse. Et qu'en plus, dans cette maison de caca à Strangerville, il n'y a qu'un seul lit. Voilà. Donc on croise les doigts qu'elle soit bien fertile. Eh bien voilà! C'est fut quelque chose de rondement bien mené. Et c'est quoi que t'as? T'as un truc en manche longue, c'est trop bizarre, on dirait des tatouages. Dormir ici, génial. Voilà, il est content. Cocotte, tu vas pouvoir. On va faire le petit test de grossesse et puis tu iras manger. J'espère, en tout cas. Non, on s'en fout de ta sœur. Laisse Chantal mener sa vie et toi, tu l'amènes aussi. Et on croise les doigts pour que notre petite Hélène nous fasse un premier potentiel héritier. Oui! Ça fonctionne! La l'air! Bon, ben l'autre, elle a cassé les toilettes. Hey! Raphaël! Je suis enceinte! Oh, c'est génial! Allez, hop! Et après, tu vas manger. Ouh là là, et puis il faut pas oublier que avant minuit. Ouais, non, mais mange pas! Parce que là, on va se faire couillonner. On va se faire couillonner au niveau du jardin. Donc, viens, 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 tout de suite! Ah, je vais mettre pause, sinon je vais jamais arriver. Viens tout vendre. Parce que je le sens, on l'a déjà eu ce coup-là. Et je veux pas que ça recommence. Donc, oh, c'est chiant à choper les trucs là. Donc, Hélène, viens tout de suite, s'il te plaît. J'ai ramené Gigi parce que. Sinon, on va perdre de l'argent. Je sais, on a quand même beaucoup de sous, mais. Regardez, il reste 10 minutes, ça va disparaître. Je le sais que ça va disparaître. Arrête de faire ta coquine! Mais non, mais elle s'en va. Bon, c'est Gigi qui fait le reste. Oh là 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 là. Oh l'enfer. Oh la cata. Et voilà, il n'y a plus rien. Il se fait attaquer. Ah non, allez, tu vas mettre le traitement antimite et tu vas nouer des liens. Je pense qu'elle est partie manger parce qu'elle n'en pouvait plus. Bon, en tout cas, petit bébé, premier petit bébé pour l'Hélène, donc j'ai hâte de voir. Ma pauvre Gigi, c'est pas grave, regarde ta fille, elle va t'annoncer quelque chose de bien. Oh, j'ai été à Strangerville. Oh, et t'as vu des fous. Eh oui! Et sinon, je me suis fait engrosser. Oh, c'est génial! Voilà. Un petit métis, ça va être bien. Ça va être mignon. Il est encore là, ton mec? Tu pourrais. Il s'est barré? Mais j'en ai marre, moi, des gens qui sont. Bah, va dormir, écoute, parce que là, on n'arrivera à rien. Et Dashi est porté disparu aussi. Hein. Je sais pas où il est. Depuis que je suis revenue de Strangerville, il a disparu. On n'a plus personne dans la maison, donc je sais pas. Je ne sais point où il est. Ah bah il est parti dormir là, lui. D'accord, ok. Très bizarre le gars. Voilà, c'est l'hiver et c'est la journée des farces. Bah dis donc, génial. On est carrément dans l'open mind des farces aujourd'hui et avec un temps glacial, ça va commencer. Je suis ravie. Ah, mais non, alors non! Alors, non! Non, 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 non. Et il était là depuis le départ, celui-là. En tout cas, Taichi s'est barré. Donc, ça va pas du tout. Est-ce que toi, oui, tu peux? Eh ben, tu mets fin au service de majordome et on va réengager parce que ça ne va plus. Mais c'est trop bizarre, quoi. Qu'on change de terrain ou quoi, on fait un événement social, le majordome se barre, quoi. Non, Taichi, hein, nous, on veut notre Taichi. Toi, on te veut pas, on t'a dit. La musique, elle est dingue, glauque, je vous raconte pas, majordome. Elle est très très glauque, elle colle parfaitement à l'humeur en ce moment. Dans notre foyer féminin, hein, où notre petit Florent nous a rendu l'âme et nous a laissé. Voilà, nous laisse pantoise. Mais bon, au moins la bonne nouvelle, c'est que l'Hélène a un petit nouveau. Donc, bah non, on va attendre un petit peu avant de savoir ce que c'est.
Comme je perds patience pour que Mathieu Chevalier devienne un jeune adulte, eh bien la petite Chantal, elle va appeler David. Elle s'entendait bien avec lui, il avait un beau physique, mais surtout, bon, même s'il est apparemment déjà marié, c'est pas grave, on va lui faire un petit bébé avec celui-là, parce que voilà, je m'impatiente moi, hein, vraiment. Tiens, salut Raphaël! T'as passé une bonne nuit dans la cave? Doichi est revenu, notre sauveur. Va manger, ma belle, là, tu vas clamser là. T'as la gerbe, ma belle. Oh, c'est normal. Ah bah, le v'là. Dans un look approximatif. Il est aussi pas très bien, d'après ce que je vois. Tu as raconté de... Ouais, bah, tout le monde est triste, hein, ça y est, c'est la journée de la tristesse, hein. Mais, il est fou? Ah, mais c'est trop bien! Si, il est fou, enfin, je crois qu'il est plus parano que fou, en fait. Ouais, ils sont tous tristesse, hein. C'est une horreur, hein. Alors, voilà. Elle va faire un petit bébé avec celui-là. Et puis, au moins, on Evans. Comme ça, après, je pourrais la caser avec une fille. Donc, je pensais, du coup, la caser avec celle qu'on a vue tout à l'heure. Alors, pas Geneviève, hein. Celle-ci, Cécile, qui est très jolie. Oh, bah, qui c'est qui vient nous rendre visite, dis donc? C'est l'ami Joseph? Oh, et Geneviève, t'as pas encore explosé? Oh la vache, maman, tu peux peut-être, voilà, inviter tes enfants à rentrer quand même. Bien sûr qu'ils peuvent venir à la maison encore heureux. Ce serait triste, hein, de demander à toucher le bébé. Bah oui, quand même. Oh, Geneviève, elle n'a pas encore mis bas, on ne sait pas ce qu'elle a dans le bidou. Tiens, on a l'impression qu'il y en a 40. Sinon, votre père est mort, hein, ça y est. Il n'est pas encore dans le jardin, on n'a pas encore creusé le trou. Mais bon, voilà. Et où retrouve-t-on notre cher Joseph? Mais devant les tombes, bien sûr, mais comme d'habitude. Merci, Joseph, d'être passé. Ah. Bah, tiens, Lélène, t'es avec ta sœur, tu peux lui dire, tu peux demander de toucher le bébé. Et puis, bah, lui dire aussi que toi, ça y est aussi, hein, t'as lancé la fabrique, hein. Où c'est où? Je vois même pas où c'est. Elle lui a déjà dit, peut-être, je sais pas. Ouais, écoutez, ça ne tourne pas. Ah, complimenter la tenue, et puis voilà. Hein. Partager la grande nouvelle, voilà, c'était là, tout simplement. Sinon, moi aussi, je vais devenir aussi baleine que toi. Ah, oh, c'est trop bien, on sera les sœurs baleines. Bah oui, tant mieux. Et tu veux savoir avec qui je l'ai fait? Hey, écoute, je l'ai fait avec un métis. Non! Si! Et alors, c'est ce qu'on dit, c'est vrai? Ouais, ça va. Oh mon Dieu! Elle va accoucher. Elle va accoucher. Tiens, tu vas donner les clés, comme ça elle pourra venir nous voir souvent, Geneviève. Voilà. Oh lui! Mon Dieu, c'est magnifique. Ça y est, elle est enfin joueuse! Non mais alors, comme il est froid, ce mec, ça va être compliqué de le draguer et tout, mais ça commence à me gaver, quoi. Je vais caser Chantal, ça va être compliqué. C'est le grand retour de Mathieu Chevalier? Oui, non, mais parce que là, j'en puis plus. Il est toujours ado, donc je vais la solution de facilité, c'est de le faire grandir en jeune adulte. Là, maintenant, qu'il fasse un bébé avec Chantal, et après, on n'en parle plus, parce que j'en ai marre. J'en ai vraiment marre. L'autre, il est impénétrable, il accepte aucune drague et tout. J'en ai assez. Allez, Mathieu. Non, mais viens ici, Chantal. Tu mangeras plus tard. Non, mais... Voilà, tu célèbres ton copain. Youhou, il est jeune adulte. Allez, tout de suite, vous allez faire des trucs. Non, parce qu'elle est de nouveau triste. Elle me saoule. Ah! Oh, ma zette! Va au boulot, Hélène. J'ai encore oublié que tu devais aller au taf. T'as déjà pas été hier. Oh, va au boulot, Hélène. Va au boulot, ma belle. Parce que sinon, c'est fini. Tu vas te faire virer. Elle est heureuse, elle est heureuse, elle est heureuse. Elle est heureuse, tu vas draguer, je te le dis. Chantal! Oh, le retour de la rage. J'en ai marre de ces Sims. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Oh, marre, marre, marre. Et c'est mon bébé. Ah! S'il vous plaît. Et il est réceptif, ça devrait aller. Oui. C'est bon qu'on passe à autre chose, c'est bon qu'on passe à autre chose! Et c'est toujours dans le même lit, dans le même drap, que les bébés se font. Oui! J'espère que ça va prendre parce que là,
En fait, voilà, le problème, c'est que la petite Chantal, elle a fait des choses avec lui. Elle s'est dit, ah, c'était sympa. Elle a essayé de faire avec d'autres. Ça, ils n'étaient pas réceptifs et tout. Ou alors, elle n'arrivait pas à draguer. Elle sait pas trop. Donc, elle s'est dit, je vais réessayer de tenter de faire craquer avec lui pour savoir si ça me plaît. Et puis, parce qu'elle a des doutes sur sa sexualité, en fait. C'est pour ça, après, elle va aller se diriger vers une fille qui lui a plu et tout. Mais pour l'instant, bah, elle essaye. En tout cas, ça l'amuse. C'est au moins ça. Mais bon, elle est toujours tristoune. Allez, tu vas me faire un petit test de grossesse. Par contre, si tu peux partir de là, Nadine, s'il te plaît. Ouais, on n'a pas que ça à faire. Voilà, va. Nadine va pleurer ailleurs, s'il te plaît. Alors, Nadine? Chantal? Je sais plus, moi, ça y est. Yes! Ah, je suis rassurée. Non, non, tu lui dis pas. Tu lui dis pas. Mais tu lui dis. Par contre, c'est dommage, mais je pense qu'on va garder. Oh, et puis. Oh, tu peux rien faire, Chantal. Allez, va manger. Et va te coucher. Ça me fera des vacances. Et une Nadine au lit. Ça, on est bien. La Chantal, elle va y aller aussi. L'Hélène, bah, le boss. Et Gigi, bah, elle se détend, rien dans la téloche. On va envoyer Daishioli aussi. Majordome, attribue une tâche sans dormir. Voilà, on n'a pas besoin de toi pour l'instant, Daishi, tu peux te coucher. Et puis Gigi, elle ira aussi au lit. Comme une bonne vieille mamie. Et en parlant de mamie, on va aller voir Geneviève, je pense qu'elle a accouché. Geneviève a accouché. Et ça y est, Joseph a eu ses trois enfants. Alors, on est sur Caroline, Isabelle et Philippe. Super. Bon, écoutez, hein, c'est plus trop d'actualité le prénom Philippe, mais les Sims aiment bien les vieux prénoms français. Donc, il a bien un petit garçon. Et voilà, avec ses trois enfants. Et Geneviève a un enfant. Et c'est un garçon, Marc. Voilà. Bon, j'aurais espéré que. Bah non, de toute façon, c'était sûr qu'elle n'aurait pas de jumeaux. Alors qu'il y a peut-être moyen avec Chantal et Hélène, hein, qui sait. Et la belle Hélène, elle est rentrée. Regardez-moi ce bidou! Déjà, tout ça de bidou, ma belle. Tu vas aller aux toilettes, tu vas manger un truc. Et puis, tu iras au lit aussi. Pourquoi la lumière reste allumée dans le salon alors qu'il se passe rien? Je ne sais pas. Des fois, dans cette maison, il y a. Ah, oh, bah oui, il y a des fantômes, ça c'est qu'à de le dire, hein, ça, on est sûr. Et après, tu iras au lit. Tu iras au lit et puis on sera bon pour cet épisode. Bon, elle a pas mangé, mais c'est pas grave, elle va se coucher, elle est fatiguée. Voilà pour Hélène, la grossesse est lancée ainsi que pour Chantal. Ça promet, prochaine étape, je case Chantal avec sa copine, puis elle déménage et puis bah, on aura le premier bébé de l'Hélène. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire et à vous abonner si vous avez envie. Regardez des petites pubs sur YouTube, tout est dans la description et me rejoindre sur les réseaux sociaux. Des très 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 gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour la suite du Decal Challenge ou d'autres choses. Ciao!